Il y a un orc ou une orc? Un orc. Une. Il y a un épaulard mais une orc. Résultat, verdict. Du bassin. D'accord. Quelle est la profondeur du bassin? 8 mètres, 11 mètres, 15 mètres. 15 mètres. 15 mètres. Passé avec lui, les soigneurs et les orques apprennent à mieux se connaître. La communication alors mise en place grâce au geste résulte d'un apprentissage lent et précis. On assure alors la meilleure compréhension possible entre les orques et les soigneurs. Nous allons vous demander d'attendre que les agents de sécurité ouvrent les barrières, de ne pas vous précipiter dans la coursive. Attention, ça glisse et vous risqueriez de vous faire mal. Les amis, on est tout près du bassin avec les orques. Alors ça risque de mouiller sévère là. On va se prendre une bonne douche à mon avis. Alors restez bien avec nous. Seb, est-ce que t'es prêt pour prendre ta douche ou pas? Ah, c'est très grand, je sais pas quand ça arrive. Ah, il va venir. Il est là. Il veut pas nous mouiller. Ouh là là. Non, non.
ta mère. Ah non. Ah ouais, non mais tu vois, à la rigueur, je t'avais dit que je voulais être un peu mouillé, mais pas à ce point quoi. Tu vois. Ouh, ça décoiffe. Bon bah voilà, on a pris une douche les amis, non. Vengeance. J'avais un peu chaud, tu vois, alors... Bah tu vois, j'avais des crottes de pigeon, donc c'est bien. Ah bah il est là. Oh là, là. Non mais là, je m'approche plus, là. Bon, on arrête de rigoler, ça suffit maintenant. Je pense que là, c'est bon, là. Les tatoues. Ouais. Là, il arrive. Voilà les amis, on est devant les tortues, juste avant d'aller voir les requins. Regardez-moi comment elle est mignonne. Voilà les amis, donc ici on se retrouve avec les requins. Là il y en a un qui nous passe juste au-dessus. Il est assez grand celui-là, hein. Ouais. Je sais pas quelle taille il fait, mais... On va en dire, non. Tu vois, c'est grand, c'est comme ça, et en dessous d'elle, on voit des... Ah, comme ouais. Punaise, il a des dents. Waouh. C'est les dents de la mer. Les petits poissons, ils sont même pas mangés. Regarde, il va passer là. C'est un squal. Je veux pas mettre le flash, ça va les aveugler. C'est incroyable. Tu crois que les boissons se font becter? Bah, s'ils se faisaient becter, hein, je pense qu'il n'y en aurait pas. Peut-être qu'ils chassent en fait. Je crois que c'est en Indonésie où il y a un restaurant qui est en dessous comme ça avec des. Avec où tu peux observer les requins pendant que tu manges. Hey, hey. Face to face. On est cerné. Regarde celui-là avec ses dents, là-haut. Oh là là. Oh, regarde là. Ouais. Bah oui, je vois bien. Putain, il a des dents. Des brochettes, ça, non? Oh, regarde celui-là, petit. Il est beau celui-là. Il est isolé. Regarde, lui, il est tout seul alors que là-bas, il a tous ses potes. Bah oui, il a pas de potes. Mais j'ai pas de potes. Bah quand t'as pas d'amis, mange un curly, hein. Oh là, waouh. Oh. Un requin nourrice. Il est où le requin taureau? Le taureau, c'est celui qui est dans. Ça, c'est encore un lit qui est passé. Oui, mais il est où? Je sais. Ah, il est là. Il est tout là-bas. Là. Ça, c'est le requin taureau. C'est le patron. Mmh. C'est le dominant. C'est le nouveau là-bas qui est là. Punaise. Il a un sacré dentier. Hein. Comme tu dis, je pense que tu mets ta main là.
T'as peu de chance de la retrouver. Bah, tu vois, le requin nourrice, par exemple, c'est celui que tu sais qui a mangé là. Il est pas dangereux pour l'homme. Par contre, le taureau. Putain. T'as plein de requins de taureau. Celui-là, il est vachement flippant. On dirait qu'il fait un peu du surplace là. Il cherche sa proie. Comme Seb il vous l'a dit, c'est le patron de l'aquarium. C'est le mec avec qui tu dois te faire pote, tu vois. Tu veux évoluer rapidement, faire pote avec lui. Pas lui qui passe, lui c'est l'opportuniste. Il passe devant la caméra, il repasse, il veut se faire voir. Il veut faire ses presteries. Il y en a trois. Elles sont bien, oui. On dirait qu'ils font la course. Ouais. Elles sont de profil. Alors que les raies, elles ont les deux yeux dessus. Elles pourraient se confondre dans le sol, t'as vu? Ouais, même, c'est fait exprès, c'est leur technique de camouflage. Ouais. Mesdames, messieurs, nous rendons devant la fin.